Salut la famille. Voilà. Salut à toi, Blaise. J'ai vu ton message. Les gars, ce que je continue à vous dire, c'est que arrêtez d'épouser les filles quand il y a trois enfants, trois pères. Une femme qui a trois enfants avec trois hommes différents, qu'est-ce que tu fais avec elle? Et laissez-moi vous dire, les femmes qui veulent un peu réfléchir en Europe, c'est les femmes qui ont les 50 ans, 55 ans, parce qu'elles voient qu'elle est finie. Quand les femmes, quand nos soeurs arrivent ici en Europe, elle prend d'abord les blancs, elle prend les noirs, elle prend les pakistanais. Tout le monde l'utilise. Maintenant, quand elle voit que la vieillesse apparaît déjà, elle dit que je vais me caser. Tu vas te caser avec qui? C'est pour ça que moi, j'appelle tous ceux qui prennent les femmes qui ont les quatre enfants, quatre pères là, les perdus. C'est parce qu'elles ne les laissent pas. Parce que quand les femmes arrivent ici en Europe, elles font d'abord le tour de Paris. Au lieu de se caser avec un homme, faire sa vie, elle fait l'enfant avec l'autre, elle couche avec les blancs, elle couche avec les jaunes, elle couche avec les chinois. Elle fait l'amour avec tout le monde. Tout le monde la déshabille. Maintenant, quand l'âge monte déjà 45 ans, 50 ans, 55 ans, elle cherche les petits sans-papiers, les gens qui ont faim, pour dire que non, épouse-moi, je suis amoureuse. Tu es amoureuse de qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous prenez une femme que 40, 70 personnes ont couché. Rien que pour ta propre dignité. Tu ne peux pas prendre une fille qui a eu 60 ex. C'est pas possible. Mais ça veut dire que c'est un gamin qui cherche les problèmes. Hein. C'est vous-même qui cherchez les problèmes. Voilà. Partagez la vidéo. C'est vous-même qui cherchez les problèmes. Évitez les vieilles femmes qui ont déjà les trois enfants, trois pères, quatre enfants, quatre pères. Tu peux élever les enfants là. C'est quand les filles là sont finies, fatiguées, vieilles, qu'elles disent que non, je vais me caser. Quand tu avais 20 ans, pourquoi tu t'es pas casé? Quand tu avais 25 ans, 28 ans, pourquoi tu t'es pas casé? C'est quand tu vois que non, la poitrine devient les babouches, que je vais me caser. Vous cherchez maintenant les tôles percées qui vont vous épouser. N'importe quoi. Les gars, moi, je vous dis, arrêtez de prendre ces femmes que les trois enfants, trois pères. Et je vous ai déjà aussi dit que arrêtez d'aller habiter chez les femmes. Arrêtez. Arrêtez d'aller habiter chez les femmes. Parce que les femmes n'ont pas pitié. Hein. En Europe, la femme t'applique. Elles n'ont pas pitié. Et quand je parle des femmes, nous sommes tous concernés. Moi-même, je suis dedans.